Locataire primatien qui c'est Gary Conny, monsieur Palais, après que ça soit passé presque une semaine dans le pays États-Unis, il t'a profité de faire un ensemble de réunions, un ensemble de rencontres. Selon PM Gary Conny, m'a cité et m'a répété, monsieur dit que gang yo gen un temps devant yo pour yo déposer les armes. Rendre tête yo ben la justice et reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire que c'est comme Gwamda dit que, Gary Conny me dit que, joue barbecue compté, joue organisation criminelle vivre ensemble compté. Parce que monsieur dit clairement, l'État pas qu'arrêté dans une éternité. Attendre les déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Les persister sous ça encore. Les dit clair, c'est première étape là. Que les gens déposent les armes et reconnaître l'autorité. Rendre tout la justice, reconnaître l'autorité de l'État. Mais l'État n'a pas fait un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, attendre les bandits armés. Et ça fait dire que ça, l'immense plus au fait, hein? Que vous faites le rapide, parce que avant longtemps, l'État pral passer vitesse là. L'État pral passer sans relais vitesse de croisière là. L'État pral mettre en TGV, train à grande vitesse. Et l'État pral vraiment comprendre que il agit. Et PM Gary Conny, monsieur Redi, il répétait, m'a cité. L'État pral prend contrôle pays, hein? Kay en kay, quartier en quartier et ville en ville. Li persiste sur ça. Li persiste et li rete de elle, li signe de elle. Comme d'ailleurs, li dit le signe de elle. Et je dis, hein, est-ce que PM Gary Conny, parce que je dis, après mon abdi, PM non, oui, ouais, c'est on est qui vraiment éloquent, elle a parlé. Li vraiment comme ça l'a dit, hein? Ouais, qui est posture premier ministre, dans le langage li, ouais, c'est un grand intellectuel, son frère intellectuel, oui, c'est un technocrate, oui. Mais je dis, hein, pays, hein, société haïtienne, non, besoin action. Action dans mes conseillers présidentiels, yo. Action dans mes PM Gary Conny. Action dans mes DG Ramon Normil. Action dans mes ministre de défense et ouais état-major la meilleur. Yo besoin action dans mes yo. Mettez avec mission multinationale soutien sécurité à Haïti. Je dis, hein, PM Conny clairement dit, les paquets division avec conseil présidentiel yo. Sauf que, li reconnaît qui a un problème communication qui vraiment existait entre la primature et la présidence, mais il y a travail sur ça pour que problème ça soit capable de résoudre. En tout cas, nous là, moi avec Desi Venès, nous présents nous là, comme journaliste, comme directeur d'opinion, nous même, nous pas venir gérer Zebou Moun, nous venir gérer information, nous venir bailler information, nous venir analyser information. Desi, sans blesser pour tout le monde là. Ma prenne de Calblende Pro Max Simdel Konsa, ma konne non, c'est ça, oui. Et qui entre là pour jouer avec samedi 6 juillet? L'incitation semble bagala pas pour jouer, parce que communauté internationale là, depuis un bon bout de temps, qui a viré tourner dans la question, vini mission multinationale là. De fait, nous, quoi, tout le monde a constaté, yo arrivé dans le pays d'Haïti, et qu'il y a question matérielle. En plus, le monde a posé cette question, est-ce que matériel adéquat a venu pour permettre que mission ali réellement rentrer en fonction capable de travail? Parce que dans diverses fois, que nous, officiers kenyans ou dans la rue, nous, c'est à pied que y a fait patrouille, y a fait monter descendre. Eh bien, pendant journée, ailleurs, l'incitation gagne 4 blindés qui rentrent en dans le pays, c'est avion militaire américain qui débarque à Kyo Soutamak, aéroport international. La machine blindée, ça, c'est MRAP qui rentre en dedans pays. C'est MRAP, oui. MRAP, oui. MRAP, qui pratiquement vini, qui sans doute, c'est des blindés qui vont en pile, qui préparent pour faire combat. Je dis, bandit, pratiquement, qui a brivé dans la dernière limite. Songez. Les États-Unis, département d'État, te promettent un ensemble de blindés d'infanterie qui ont été de bail avec la police et la médaille tout doit utiliser qui pourra permettre de faire face avec sac banditisme qui a fait dans le pays. Exact. Eh ben,
pourra poursuivre avec dossier mission multinationale là. Kenya déjà gagné un groupe officier qui a dans pays déjà de retour premier ministre Garry Conille ou senti qu'elle joigne en pile espoir ou senti qu'elle joigne et bon côté communauté internationale là et mélangé qui montrait qu'il peut résoudre problème qui gagne dans pays qui lié avec question insécurité qui bail en pile problème en pile fois gros question à poser qui ça cause la police et journaliste toujours gagne couteau tiré dans activité officielle yo. Eh bien, la police, je dis, on l'autre fois, te gen couteau tiré avec journaliste qui était rentré dans le salon diplomatique, pour tal dans le point de presse, conférence de presse, et rapport que le premier ministre Garry Conille a baillé. Il y a un policier qui est en uniforme qui déclarait que journaliste n'a pas de problème, c'est eux-mêmes qui ont servi gang, tout est dans la capitale pays. Ça qui pratiquement c'était un gros débat, en plus de questions à poser, qui ça, policier, vous voulez faire? Là, on connaît. Collaboration, la police avec journalistes, c'est pratiquement des bagages extraordinaires qui permettent que le travail arrive fait, puis bien toujours, les personnes. Chrétiens qui sont dans la communauté diaspora haïtienne, ils ont frappé fort, les personnes, qui permettent gros débat à faire sur les réseaux. D'après Pasteur Grégory Toussaint, responsable tabernacle des gloires, il y a un système audiovisuel qui est installé dans un nouveau bâtiment, l'église qu'elle gagne, qui coûtait 9 millions de dollars. Sorti, nan achat terrain passé nan plan rivé la construction installation technologique bâtiment qui coûtait 60 millions de dollars ça fait gros parler à travers réseau moun yo même dit fidèle dans l'église a pas ka manger y a fait don qui ka permet 60 millions collecter pour construire l'église comme ça tout grand pile moun dit ça c'est pratiquement yon bon pas pour chrétiens haïtiens qui dans communauté internationale là qui voyez un exemple aller qui montre si communauté a vle, mette tête ensemble, gon paquet de bagay que yo kap fè dans pays moun yo, kon sa tout si yo mette tête ensemble, gon paquet de gros bagay que yo ka vin fè en dedans pays d'Haïti, bless Peterson. Jodi a, Haïti trouvé le non impasse, côté le besoin, tout petit lik pou mette main. Ancien sénateur, Nenel Kasi, mande à la population pour mobiliser, pour porter et support yo, par le conseil présidentiel transition à tout gouvernement et pour accompagner nos batailles pour résoudre le problème de sécurité qui gagne en d'un pays. Comment ça va le faire? Qui j'en va le faire? Nous pas connaît. Parce que jusqu'à présent, le peuple a dans la noirceur, le peuple a trouvé une situation qui est très difficile, il n'y a pas qui est-ce qu'elle veut faire confiance. Le premier ministre Garry Conille, dans l'allocution, il montre des dommages pour les gens qui sont victimes dans ce qui passe en d'un pays, dans tout ça brigandage. Il pratiquement dit, il va laisser notre ouais pour réparer le monde et qui permettre que la justice triomphe. Pour permettre bandits, sans foi ni loi, cap terroriser le monde, cap saccager pays, ou y a le côté, on côté pour machine pas frapper, ou bien l'opération que la police a mené, si y a un bas balle, c'est bas on y a jeune, ça c'est au cap qu'on est. Même bas option, pour y déposer les armes, c'est si vous voulez. Si vous pas pris option ça, eh bien, la police, avec force multinationale là, va frapper contre les situations. Deuxième, on va ajouter, me dit que, jeudi dimanche 7 juillet ça, date ça, qui c'est 7 juillet, hein, l'y fait exactement, trois l'année depuis que malfecté en Haïti, même si baga la clé, malfecté en Haïti, classe politique traditionnelle ça, mettez avec oligarque corrompu, TP ou ensemble de mercenaires étrangers, yote al assassiné président Jovenel Moïse en dedans chambre la Kaili, sous cabane qu'il te couche avec madame ni Martine Moïse. Pablié non? Moi dit, politiciens traditionnels, politiciens conseil, politiciens et soufkout, politiciens figi plat, politiciens esclaves mental enchaînés, oligarques corrompus, et même communauté occidentale, là, t'aimé, t'es avec oligarques corrompus, hein, y'a t'es payé une trentaine mercenaires étrangers pour entrer en dans chambre qu'a président Jovenel Moïse, y'a assassiné. En pile moun arrêté, en pile moun condamné, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse dans déjà. Et ordonnance, nous pas oublier, juge Walter Wessel Voltaire, qu'elle te rend, elle te voyé, ancienne première dame dans Martine Moïse, ancien premier ministre à l'époque, Claude Joseph, ancien DG la police à l'époque, Léon Charles, pour me citer ça ou seulement. Al jugé devant tribunal criminel dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse non. Et yon nan se, alors cerveau clé assassinat président Jovenel Moïse selon DCPJ et la justice haïtienne c'était Joseph Félix Badiou. Yo t'ai arrêté monsieur dans fin année 2023
Je dis à qui ça passé? Est-ce que Badio, Félix Badio vivant? Qui ça Badio dit? Est-ce que transféré Badio à l'étranger? Qui ça a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Non? Bien que nous connaissons, un ensemble de partisans, un ensemble de sympathisants, président Jovenel Moïse, il continue à demander justice pour président Jovenel Moïse. C'est cas et militaire politique Rosemont Jean, qui lui-même t'est organisé à travers Fronop, yon messe de requiem en mémoire du président Jovenel Moïse dans l'église catholique Christ-Roi. Et il était clairement dit que dans soirée vendredi et samedi 6 juillet hein, environ 6-7 heures après-midi dans la soirée, il a organisé pendant un petit temps une veille patriotique et le dimanche qui c'est 7 juillet hein, il a organisé de mouvements, il a sorti devant le président pour arriver devant Binu, il a sorti d'Elma 33 pour arriver devant Binu dans Pétionville pour encore envoyer un message ben international hein, puisque il dit clairement que la mort président Jovenel Moïse pas à planifier et là, dans City aux États-Unis, pour que les États-Unis acceptent que des mercenaires arrangés avec des oligarques corrompus pour entrer à tout le président Jovenel Moïse. Il y a plus de monde qui suspecte dans le président Jovenel Moïse. Non? Et veillez, équipement a tout fait, ou équipement camoquin, ou équipement assassin. Qui pral pran cadavre président Jovenel Moïse non? Pour faire campagne électorale. Veillez, parce qu'il y a pile là pour le servir de cadavre président Jovenel Moïse non, pour demander que pour faire capital politique yo, les pral gagner élection. Si y a une élection, comme pas connait si a fait vraiment. Ma connait si et koni a fait vraiment, pas connait. Mais en tout cas nous là, ça qui la kawel. Même qu'on est grand pile, qui en pile zami k'ap gade émission ça. Même les qui au terrain me pas très Jovenel Moïse, même qu'on est grand pile moun k'ap suivre émission ça. Qui c'est deux moun qui condamné la mort Jean que président Jovenel Moïse assassiné hein, et qui toujours demandé justice pour Jovenel Moïse. Dans moment ça désigne émission ça ou même qui passe pour demander justice pour président Jovenel Moïse écrit dans commentaire ça justice pour Jovenel Moïse. Justice pour président Jovenel Moïse. Bien que nous connaissons une somme de 500 millions, mais 5 millions de dollars, quoi, si je me trompe, et y a bah avec Martin a une portion, Jovenel a une portion, on va dire comme ça. En tout cas, peuple haïtien dit, Jovenel Moïse parce qu'il était engagé pour le peuple qui reste là. Oligarque corrompu, machin pays, machin blackout, et ne quitte Kembe, et anti, et statu quo, ne quitte alimenté pays, le kyo, jodi à côté yo, yo fin arrangé yo, yo assassiné président Jovenel Moïse, yo quitte pays, yo quitte jungle, yo quitte l'enfer pour nous en Haïti. Ben politicien imbécile, ben politicien soufflant chou, parce que jodi, nous te dit, si nous m'avons Jovenel Moïse aller dans mourir, mais Jovenel tellement aller, mais mourir même. Est-ce que ça a changé? Non, ça va même changer. Et je veux dire, c'est même moun sa yo, kap ouve même bouchio, kap di eh si, kap di ça, kap di se, kap di ça. Mais non, nous te kèlpè moun détruire Jovenel. Et mais pas le moun kouna san fè, en sérieux. Désir, et nous allons venir avec, bagonne, nous sommes tous si moun souba Jovenel. Ben, Blaise, li important, pour gouvernement qui la, gouvernement transition, hein, ta l'ouvri pot, nan ensemble de discussions, nan ensemble de engagements qui ou ba tête yo, nan sa ki gen pou avec justice. Pour président Jovenel Moïse, qui mourit lâchement, assassiné, la Kaili, et en plus le monde a dit son complot, qui sortit au sein de Jovenel Moïse, qui était livré, l'aide songé Dimitri Hera, et qui était pratiquement dans le cordon de sécurité de Jovenel Moïse, qui était dans la prison, qui beaucoup n'y a bénéficié grâce que bandit ont fait dans la pénitentiaire nationale. Le roi a quitté Baïsa, impuni, faut qu'on va être fait là-dedans, pour nèg à femme qui est corps dans le pays, qui a contact avec la communauté internationale là, pour ne pas comprendre que vous capturez n'importe président qui veut élu dans le pays à mosquée dans le moment que vous avez indifférence contre la situation. L'Iclair des Ivenes qui nous a venu avec PM et PM Gary Koni nous a venu avec Lila dans la déclaration qu'il fait pendant que l'ICA s'est retourné dans le pays et l'ICA parlait, va présenter bilan. Bilan voyage li, et nous venons avec KPM Gouni. Avec première séquence ça, parce que pas de l'autre séquence pour qu'on soit capable de faire débat sur le Desi Venez. En dehors de PM Gouni, et bien, nous tendez, soit aspect question sécurité,
et après ça nous allons regarder l'autre point qu'il a touché. On va venir avec la PM Gaïkouni. Je peux réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, la question de sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État par là, faut retourner avec l'État. Affaire de territoire qu'on ne peut pas contrôler, c'est une priorité pour moi, pour l'État reprendre place, retourner, institution retourner et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision de l'État. Deuxièmement, et ça, c'est une grosse priorité, faut qu'on soit capable de retourner la caille. Il faut absolument que moun yo capable retourner la caille. Troisième priorité, il faut que moun yo capable circuler dans le pays sans que sauter. Absolument sans que sauter, monter, descendre, comme pour dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que moun ki victime yo, faut que yo joigne justice et réparation. Il faut que yo joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis mon venir et tout ça me fait jeudi incluant le voyage et tout ça me va le faire dans les prochains mois d'aimer clair. C'est autour de quatre priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en ligne. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ce qu'on a fait. Nous analysons avec toute équipe, nous, toute entité, comment nous allons avancer pour nous récupérer et nous disons ça plusieurs fois. Quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, nous supposons nous, nous supposons nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat. Nous avons quatre bagailles que pour nous capables de sortir dans ce là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne sait pas si peut-être ça suffit de vous un peu mieux, ça nous l'a dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça. Pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, un arme ou quoi que ce soit, c'est la première dimanche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État. Laisser l'État qui contrôle les côtoyers, ou pas qu'à camper là, et puis vous dire, moun baka la dan. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on m'a plus clair. Le coup, il y a reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, ce cas, si vous voulez parler, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons fait sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis deux semaines, trois semaines, depuis le gouvernement là, maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité, pas tant indéfiniment, pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, film ça va gagner l'autre, j'en finis. Haïti pas qu'a perdu. Ça prend un jour, ça prend deux jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu bataille ça. Et peu pas ici, on pas chambre suspendre bataille. Donc, bon fenêtre, on dépose les armes, on reconnaît l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je veux dire, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous, il y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous pas reprendre quartier, nous pas reprendre caillou, nous pas reprendre vie nous, et que nous pas reprendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, mais je dis à Mbli, nous connaissons pas de doute sur ça. D'accord? J'espère que ça finit avec tout le bagage sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller les yeux. Mm-hmm. Vraiment pas oublier, question est déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Depuis les PM, l'État fait conférence conjointe avec le chef de délégation kenyan en Haïti. Ça, c'est envahi les réseaux. Mm-hmm. Et encore plus, pendant que PM n'a États-Unis, dans l'interview que tu as avec Radio France Internationale, RFI, PM n'a pas encore répété même bagage ça. Bandio, qui pour déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et après ça, qui a venu à prendre. PM n'a une question concrète, Jean-Alain Macajou, posez-le. Lui montre vraiment ça crée un pile de débat sur les armes. Même nous, même ici, on fait des débat sur lui. Et même nous, même ici, nous demandons des amis internes qui suivent nous, qui ont réagi sur lui, pas vrai? Oui, un peu de monde qui dit non, pas de négocier, pas de question, demander reconnaître l'autorité de l'État qui veut imposer l'autorité, pas de négocier avec Bandi, pas de. Ouais. Le gars de majorité réaction, pas seulement dans l'émission Panouyo, mais sur toutes les médias, les plateformes sur réseau, et de médias traditionnels, nous, tout le monde, son seul bagage a dit, pas dans question négociation avec Bandi. Mais après là, PM Koni, M. Poté de
on dit du plus dans ça le dire parce que autrefois elle pas mentionné des bagages comme si et la vie reprend ou dit moi que mon yo doit si qu'il est libre. Bon, oui par rapport avec ville en ville quartier en quartier maison en maison OK mais qu'il y a les vin ajouter faut qu'il yo dédommager et réparer mon qui victime yo. Ouais ça quel que soit mon cap sur mon adhésif longtemps dans l'émission nous yo. Ou après nous répéter ça souvent. Comment l'État cherche ses partis bandits et moun ki victime yo même? Pour ses partis moun sa yo et qui ça l'État pral faire avec yo? Parce que moi t'ai vraiment persisté sur ça. Moi avec des Ivenes, nous t'ai persisté sur ça, on ne peut plus. Je vous dis hein, moi certain que équipe communication PM nan ka tan de travay nou. Je suis obligé de ajouter des questions. Il faut que vous dédommagez les victimes. Mais qu'on y a. Baba, non, mais c'est là. Oui, dédommagez les victimes. Il y a des gens qui sont satisfaits là. Il faut que vous soyez tout le monde honnête. Puis que ça va au café. Pendant que la clé, j'en lis. Tout le monde est de zéro jusqu'à combien il est arrivé. Il va au café. Et même l'état café, tout va faire dans un jour. Il va faire dans une semaine. Il n'est pas fait dans un mois. Il n'est pas fait dans une année. Non. Pour montrer nous. Mais Kounia, si que vraie bataille qui pour mener contre Bandio, pas seulement Bandio à Sapatio, j'en que ancien colonel Himmler rébuté dit l'avant-hier. Si mon le j'aime de dire, si mon m'a regardé dans la vidéo next team 103 zombie bébé Bougoyo, m'a regardé un petit petit, oui, que moi estimé qui capable dans 12, 13, 14 l'année. Et pas plus que 10, 15 comme ça. Avec ces deux nègres vraiment, si que la police a mené bataille, regardez, depuis 5 ans, vous tombez, vous secourez. Depuis 2, 3 ans, vous tombez, vous secourez. Parce que vous n'avez pas gagné comme formation, vous êtes tout ni, vous pied à terre, vous souhaitez, vous sale, vous n'avez pas gagné dans la question sam, dans la question goumen. Donc, si vraiment, policiers nous yo et militaires là mais nous yo yo qui formé pour ça et préparé pour ça di yo que matériel nan mais yo y a goumé kont nèg ami kont moun sa mwen la yo y a pas ka goumé vraiment ça veut dire pour me répéter Titi Benel question résout insécurité son petit détail que lié son détail que lié mais faut qu'il volonté faut qu'il volonté d'abord et l'aime dit volonté politique d'abord faut que ni conseil qui la volonté ça ni gouvernement qui volonté pour ça et bail DG la police en moyen bail et l'armée en moyen et même nèg mission qui la yo bail au moyen pour résoudre ça la comme insécurité et n'a commencé ouais en grande partie résultat yo et m'baba nous menti parce que pas oublié et pas seulement moun 600 000 moun et 300 000 si moun qui était là quand qui besoin tout nous désir. Diaspora haïtien qui a des années pour qui va entrer la Kailia. Les besoins entrer la Kailia Haïti tout. Parce que les gens prennent bien, les gens prennent Kailia. Oui, imaginez des signes, ça m'a dit. Ça m'a dit, il y a plus de gens qui sont d'accord avec vous. Imaginez quand plus de monde dans la diaspora qui a écrit nous là à travers l'émission, nous animons ça qui est là. 302-612-6531. Les gens qui ont appris ensemble de commentaires, de messages. À 90%, mon dieu, Blaise, désir. Nous besoin retourner la caille nous. Moi dit prend caille nous dans et dans peignier. Moi dit prend caille nous dans torsel. Moi dit prend caille nous dans tabac. Moi dit prend caille nous la plaine. Moi dit ça veut dire moi même comme quand tellement bouquer avec mais ça sérieux me dit bon finalement ça va faire là moi même. Mais sauf que moi même le fait que mon assurance mon espoir mon garantie que Haïti pas qu'arrêter comme ça. Haïti pas doit arrêter comme ça. Et ça que m'a toujours dit diaspora haïtien yo m'a pas dit ça PM nan m'a pas parler PM nan non mais m'a dit nous clairement rete croyé, rete confiant que Haïti pas ka rete comme ça. Haïti pas doit rete comme ça. Faut gagner la paix pour que nous entrer la caille nous, nous récupérer bien nous. Ça c'est une et faut entrer la caille nous parce que nous avons des années que nous pas famille nous, faut ka louer yo. Bien même après que nous ta retourner Haïti et côté d'ailleurs, côté nous résider mais quand même rentrer la caille nous Haïti c'est nous en vie ça. Et toujours il désir. Moi-même, je ça m'a dit, je suis sous lui. Moi, je fin année 2024, ça. Si mon Dieu l'a vie prêté, nous souffrons toujours. Que au même cas, je au moins 70%.
diaspora haïtien capable rentrer Haïti, al passer fin d'année Haïti avec famille. Et qui ensemble de tias haïtiens qui obligé c'est à l'étranger, c'est Canada, c'est la France, c'est États-Unis, obligé à évoluer. Et monsieur que yo même yo calé ali c'est qu'elle parle Haïti pour mon al danser et pas bal ba vole bandi non mais bon bal de danse besoin que en février ou 10 mois mars 2025 que ça gen des années là que diaspora haïtien parce que pas oublier gars pile moun nan diaspora qui danse carnaval ou réduit bret là pour que yo capable al danser carnaval national yo puis regardez puis al danser yon moi qui dame dit là. Bon, même tout je pas si je me garde tout. Puis elle danse une équipe. Puis elle danse un créole là. Puis elle danse un petit bout de boy. Puis elle pratiquement besoin de Zafem. Puis besoin de Zafem. Qui fait bien bon. Puis elle boue. Regardez, quand ils avaient. Puis elle boue avec nous Zafem. C'est vrai. Fait année 2023, Zafem n'est pas quelque chose de mal, mais il va traiter trop, non? Mais il y a des gens qui peuvent qui besoin de danser Zafem. Mais tout ça, vous me dit, on nous look encore tourner Haïti. On classe nous. C'est vrai comme si vous me dites nous que diaspora haïtien moi-même me voulais rester croire que ça yo nous besoin yo enverdi yo et qui en pile dans nous pendant que bandi ont déclenché mouvement ça en haïtien là qui dégue proche te mouri mais malheureusement même un dernier hommage que m'a à l'assister dans l'enterrement yo m'a souhaité en fin année ça là l'entrée Haïti même son messe de requiem même c'est un tonnel là cassé dans mémoire moun ça laisse ça tenter nous faire ça désir frère nous avancer. La situation est importante, est nécessaire, parce que nous passons tout le temps à analyser le discours PM Gary Koni, à analyser le discours conseiller présidentiel, à analyser le discours de l'ensemble des militants proches gouvernement ou bien proches conseil présidentiel transition. Nous avons tout le temps à demander, est-ce qu'il y a cherché à résoudre le problème de sécurité, mais réparation et restitution ou ensemble des mouns qui fait des déficits total en dedans pays, est-ce qu'il a ignoré ça? Comme nous, le premier ministre Gary Koni, lui soucié, lui conscient qu'elle connaît, il y a des mouns qui vivent victimes dans le pays, même parce que Gary Koni, à travers le discours, qu'elle tourne, lui permet que l'espoir bourgeonne pour côté peuple haïtien dans la capitale pays qui 80% sous contrôle bandit. Et dernier appel là, c'est dit bandit, viens déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Et la justice a gagné pour faire reste là. La situation de même passé. Gary Koni, il est correct dans sa vie. Et c'est permettre que la police, l'armée, tant qu'on dit qu'elle pourra lui former une task force à Kyo, qui va permettre qu'il fait travail à plus bien. Nous pas qu'attendre que ça arrive fait. Mission multinationale là, et contingent Kenya qui est dans le pays. C'est pas flaner pour venir flaner, mais c'est un combat pour venir parce que il a touché 600 millions de dollars dans quatre missions ça, que il a fait partie qui n'a tête là. Malgré nous vous contendez l'autre pays qui parlait pour faire déploiement payo pour venir rejoindre le groupe Kenya qui est dans le pays à la situation. Mais matériel commence à augmenter, matériel commence à venir, ça baille l'espoir que pour la sécurité a presque venu en bouteille. Vous sentez ça? Oui, parce que vous en bouteille. Que gagne espoir, mais la situation. Parce que vous connaissez, c'est ensemble de blindés de transportation, des troupes qui sont souvent à bail avec la police. Mais je dis, quatre blindés qui vivaient hier samedi à qui descendent sous des avions militaires sous Tamak aéroport international de Saint-Louverture, ils tout dit rey bandio sans se finir. Si bandio pas comprendre, il pas comprendre. Mais c'est ça, ça veut dire là où est des matériels de combat, on mettrait quoi? Parce que nous sommes non descendre matériel les au moins 100 vols d'affaires là. Vous dites ouais, t'as gagné on tire hélicoptère. Il y aurait des mini cricket qui compte dans question opération. Ça veut dire que matériel adéquat pour attaquer bandio pour mettre bandio. Mais population est très vigilant, très prudent, parce que action que M. Karl pose là, action de dernier recours, action de résiliation que M. a posé, il y a commis un pile meurtre, il y a tout un pile monde dans le pays à des personnes. Mais PM n'a dit tout, n'est-ce pas très limité devant tout, c'est-à-dire l'État va arrêter dans l'éternel abdiné que déposer les armes. Et l'État va pouvoir plein pour mes amis. L'État va pouvoir plein en bas pour mes amis. Barbecue habillé rouge et blanc. Oui. Pour faire discours, pour faire l'histoire. Ouais, plein ça, l'État PDPM a PD demandé. C'est bon, je peux faire plein ça. Ou a demandé, l'État t'en pour soubler. Ou comprendre, c'est vrai, nous connaissons nous. Je dis à bah, nous, chance non. Et pour ta faire PD plein ça. Okay, donc, je dis à PM, je dis à l'État, Jean que et DJ Benel te dit, l'État est pour imposer autorité. C'est fini.
c'est fini en pays. Désir, en nous te de dire, nous avons regardé séquence insécurité que Koni a porté précision sur l'IA, mais il y a de l'autre point que PM n'a été touché dans quatre conférences pour la presse à Kulbaye et samedi, qui était 6 juillet, dans l'aéroport international tout seul le 28 ans, après que se passait une semaine dans un ensemble de rencontres, un ensemble de réunions de haut niveau avec de diplomates de pays, tout ça, yo, pour être comment capable de continuer d'aider Haïti dans la situation qui a été trouvée là. En dehors des PM, non, avec l'autre point qui était touché dans quatre conférences pour la presse. Merci, merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous, madame Mathéa, merci que nous venons parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington, là, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous poter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons. Père Nantal fait marcher, papa, j'ai fait provision. J'ai coûté chargé, coula pour l'œil. On a avancé nos PM. Donc, PM n'a chargé. Oui, oui. Et que moi, je suis persuadé que y a quatre bails qui pourraient arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté de bail, une élection. Nous avons une situation côté de monde qui a souffert. Le premier bail là, c'est que faut qu'Haïtiens mettent ensemble, société civile, tout le monde vienne travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Un cas dit nous, peut mériter des institutions là à côté, excessivement fragiles, nous avons perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Monde qui pour prendre décision l'institution pas là pour l'islam boumé à zone ni très souvent. Donc deuxième partie importante c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagne pour nous capable adresser problème que nous gagne c'est une bail qui très important pour succès crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir dans crise là c'est comment nous pour le travail utiliser avec en pile efficacité une plus gros arme instrument que nous gagne qui c'est diaspora nous. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens dans notre bois qui ont gardé Haïti, je dis à moi, ils ont un avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Saint-Dégain, le pays a pas la situation que l'IA. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Au gène, nous gagnons très souvent décousu, pas aligné avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, là, le pays s'est dit non, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui habituent à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont des propres problèmes, ils ont fait face à eux. Ils ont des préoccupations par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, 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 ils ont jamais fait. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale, là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise, là, nous pour elle. Quatre éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir dans ce lieu-là. Voilà pourquoi, depuis environ deux semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous, à Paraguay, pour qu'il y ait une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon ton message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini la stratégie. Nous avons renforcé la police. Nous. L'État ici a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liée à son période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de venir nous à Haïti à PCF pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, le l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes, nous partons à Washington. Nous partons à Washington avec
ministre des Finances. Nous partons à Washington avec ministre, le gouverneur de la banque. Nous partons à Washington, ministre des Affaires étrangères, qui était déjà absent de Paraguay, vient joindre nous. On a parlé d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec ministre financier parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous là avec gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour en discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire aux quatre bagages ça. L'un garde pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. L'un garde pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. L'un garde pour nous une contextualisation priorité, yo, nous ne pouvons pas tellement ouais, nous aimer ouais, mieux. Le but, c'est de rassurer, yo, même si vous avez une pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois? Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre la santé sous pied. Faut l'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous. Au même moment que n'a pas avancé la question sécuritaire. Immédiatement après discussion ça qui fait avec institution ça ministre finance avec gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça c'est déjà une grande réalisation. Avec institution financière yo, au plus haut niveau, nous avons trois bagages. Un, nous comprenons et accepter que la situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que nous-mêmes, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Nous sommes d'accord avec nous que nous allons ouvrir le portefeuille pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça nous a fait dans la région métropolitaine. Là, et ça n'a fait en dehors de région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous très, très contents de ça qui sorti de nous. Plus particulièrement, BID dit même, il dit nous, bien content nous venir là, parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite, pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter ce ABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau de développement qui est indispensable pour nous faire progrès tout dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, au moins, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institution, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile d'en convaincre l'autre, nous que effectivement, ça y est bon et ça y est pas avancé. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des mondes qui, je dis, a beaucoup plus convaincu que Haïti compte côté le bralé, les grandes directions, population a supporté et il paraît ou même pour y réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aime dire la transition. Nous faisons des discussions très, très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble au fur et à mesure que reste compté, j'ai eu fini, nous ne pas perdre du temps. Pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même deux, il y a des grandes piles questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection? Comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïté tout? Comment on part un jour là à faire sécurité? Comment on voit cinq grands chantiers, comment on peut le réaliser? Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite.
Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le gain engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, bah, arriver telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc, voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que renouveler engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Yo prend note du fait que bon urgence, yo accepter le fait que n'a pas défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et n'a pas expliqué comment eux même y a pas accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sous question de sécurité. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité, hein. Nous avons belle conversation avec même Conseil de sécurité, hein. Côté que dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement, ça, et nous baillons le ton. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens, et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence, de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Hein, et Mambéco, qui organise une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagne Haïti, des pays que nous pas ouais, engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, soit à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons, tête nous, l'accord-là. Et comment on va l'avancer? Ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis, là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire, engagés, un, pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que vous pouvez retourner, vous pouvez écrire capital, vous pouvez dire capital, qu'il faut absolument nous réengager, nous venir tourner, nous prendre Haïti, nous remettre Haïti sous table, là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement, ça. Évidemment, entre réunion ça, avec les différents bilatéraux, nous profiter tout rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisait pour nous une rencontre avec tout élu qui est d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très, très, très pratiques sur comment la diaspora pourra l'impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous besoin, nous gagnons. Le arrivé New York, tout, nous continuons même bah, là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, pour que nous resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne, pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, moi, quitter New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas de la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort ou gain la main, tout outil ou gain la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer au pape café back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous t'es Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous t'es venu en réunion spécifiquement sous question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui ont souffert, qui ont besoin de passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons réunion à l'ambassade là avec l'ambassadeur, entre autres, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition après une semaine, ça a même pour nous assurer que très, très, très vite, question passeport a commencé à débloquer, parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc, en gros, peut-être si ma fait un résumé pour nous, mais ça que tu as gagné dans le voyage là. Et évidemment, et moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions. Deuxième marron, je souhaite que, malgré que toujours dit haïtien, que diaspora haïtien, et en pile dans yo, intéressé pour que la CAI capable de m'aider. Ouais, PM Nandou,
dans tout le tourné que tu as fait yo, li profite rencontrer haïtien dans diaspora dans Miami, dans New York, l'autre côté encore, côté que gagne ensemble de série d'activités que il a préparé, il a planifié dans mois qui va venir là yo pour comment que diaspora haïtien capable vraiment impliquer dans l'autre Haïti, dans la nouvelle Haïti. Ça veut dire que espoir pas perdu. Espoir même moi même avec Oula qui toujours encourager diaspora, toujours dit diaspora haïtien, on fait ci, on fait ça, restez confiant, restez quoi, ça veut dire que gagne de monde dans diaspora, gagne de monde même de désir. Yo réalisé, malgré yo implanté un business États-Unis ou bien Canada côté rien. Yo t'a remis implanté business à toi Haïti parce que les Haïti il y a facilité plusieurs dizaines, centaines de jeunes, mais moins de jeunes travaillent. Côté implanté dans le pays côté où il y a, mais il y a facilité soit de Haïtiens, ou de l'autre nation travaille là-dedans. Et l'argent qui a rentré dans le business, ça a grandi l'économie pays côté où il y a. Mais si c'est Haïti qui a investi dans le business, ça a permis que y ait plus Haïtiens qui sorti dans le chômage. Parce que retirer 10, 15, 20, 30 haïtiens dans le chômage. Et c'est comme si, c'est au moins n'importe 500, 600 familles, oui, pour aider. Parce que, grand monde ça, bah, on a combien de monde qui sont responsabilité. En termes de madame, petite, mari, petite, gen maman, papa, frère, sœur, gen cousin, cousine, et gon zami quand même, ou partenaire, que l'a aidé quand même. Et gon monde comme étranger l'a aidé quand même, que sous chemin. Mais s'il pas travaille, il pas faire rien. Ça va le faire. Et ça fait ça attire attention. Les que DJ Benel te dit que a fait un secteur le secteur la jeunesse. Nèg marche avec enveloppe jeune en bas men yo. Pour qui ça jeunesse ça? Li pas mettre l'état dans condition pour tablir sécurité pour investisseur cap vivre en dans pays an. Et même si là qui à l'étranger ou capable investir en Haïti, et ou même qui sont jeunes, qui compétents, qui qualifiés, ou qui travaillent, même les ou pas gain comme si ou compétents dans la matière, ou qui travaillent. Et ça fait à l'heure, hein? Dans la mise en contexte, hein? Ou t'es soulevé pour un bishop Grégory Toussaint, qui bâtit, alors, qui inaugure l'église Tabernacle de Gloire, dans Miami, États-Unis. Et elle présente et bilan dépense l'argent ça 60 millions de dollars. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat de religion. Parce que là, parce que la question ça moi-même, un journaliste, un directeur d'opinion, micro l'ouvre pour tout le monde. Un journaliste et un citoyen du monde. Nous pas là pour limiter parole avec quiconque. Sauf que si monde ça, mais si secteur ça, l'État mettait restriction ensemble avec lui. Mais un journaliste, il n'est pas limité dans le travail, il est dans le micro. Donc, je n'ai pas besoin qu'on soit chrétien pour regarder l'émission. Ils n'ont pas besoin d'entrer. Je n'ai pas entrer dans le débat chrétien, dans la croyance. Je n'ai pas entrer là moi-même. Vous comprenez? Mais, les regarder, vraiment, je n'ai pas le débat qui a fait sur le réseau. Parce que, est-ce que c'est pas parmi. Alors, je ne connais pas, mais Grégory Toussaint, parmi les Haïtiens. Qui vient ici, États-Unis, non, l'âge, moi, c'est à 14 ans, je suis venu ici. Qui fait un exploit comme ça? Comme haïtien, qui vivait construire une église, un tabernacle, quantité large, et qui imposait l'États-Unis. Bien que, il y a des gens qui ont fait débat sur l'argent, ça, bah, ça, bah, pas besoin d'entrer dans le débat, ça, moi-même. Vous avez pas tant investi dans Haïti, mais je dis, hein, Msonje Grégory Toussaint était clairement dit que il a acheté un Cécile Ciné Capitole qui bon petit séminaire sémantial. Mais moi pense moi était quoi que si vinn gen sécurité gen la peine dans payant gen de bagay que un Cécile Ciné Capitole capable venir réaliser et gen pile monde moins informé que et ba konnen gen Alex Chekin en Haïti. Mwen kwè sou bwa bien na ben pa konnen. Yo aide de moun, yo aide moun ti moun pa konnen bagay nan kesyon pa konnen. Mwen apran nou bagay konsa. Bon, là c'est bon réseau comme si m'ap défense Grégory Toussaint. M'ap rentre d'ailleurs, li pa konnen bon, juste konnen comme haïtien k'ap fè da même pa. Et pa comme si moun ki m'konnen physiquement que lui-même konnen physiquement tout. Et pa la problème nan yi. Mais est-ce qu'on connaît tout avec Tabernacle de Gloire que Grégory Toussaint inauguré hein? Bien que quantité l'argent dépend m'a connait rassemblé famille Chekina et m'a connait rassemblé pour faire là. Il va créer un ensemble de job emploi là-dedans. Est-ce qu'on dit?
La créé un ensemble de emploi et de job là-dedans. Parce que, faut qu'il y ait moun qui pour faire nettoyage. Faut qu'il y ait technicien pour arranger le système. La créé un ensemble de emploi, un ensemble de job là-dedans. Quelque part, quand même, il y a un ensemble de haïtiens qui quand même, et même des étrangers qui bénéficient de ça. Et ça fait, nous besoin de sécurité en Haïti. Parce que, m'a dit oui, m'a dit non. Mais peut-être, qui va les haïtiens qui t'a gagné plein pour faire de investissement en Haïti? Moi-même, je parle avec un haïtien, pour me dire ça sincèrement. Ça, c'est bagaille. C'est un témoignage vivant que je gagne moi-même. Je parle avec un haïtien qui est dans la diaspora. OK? Monsieur qui est sanglé, monsieur qui est un mini market. OK? Dans cet côté, monsieur ayant, monsieur qui est un mini market. Mon mini market, ça, c'est vrai, comme haïtien, il va nous paquet de là-dedans. Mais il dit, Blaise, est-ce qu'on est, on t'a fait des démarches pour ouvrir un annexe market ça à Haïti, quoi, dans zone pleine, quoi, des bouquets ça, yo. Même pas capable d'ouvrir, non? À insécurité, non? Ça veut dire, comprendre? Gap, il y a haïtien dans la diaspora qui a volonté pour aller investir à Haïti, oui? Et gap, il y a étranger tout qui peut être en Haïti, mais qui a l'étranger, qui a volonté tout pour aller investir en Haïti. Mais, babo, menti tout. Pas aucun côté, non, c'est pas une sécurité pour aller investir l'argent. On côté de la bandit qui a bandit qui a kidnappé, qui a des manifestations, les gars passent le craser, les gars passent le piller, les gars passent le mettre diffé. Mais mes amis, et ou pas l'état qui vraiment cap dédommager ou. Si c'est, ou pas les X ou pas les Y qui gagnent non, pour si que yo business ou craser pour l'état dédommager ou. Mais si malé, ce qui va vraiment gagner non, yo, les comme si manifestation, mais bandit piller, bandit craser, bandit voler, l'état va dédommager ou. C'est tout ça, yo, il faut nous penser à eux même. Pour que nous créions tout ça comme des conditions et pour permettre que, eh bien, quelque soit mon cap investi en Haïti, alors qui a en Haïti, qui a à l'étranger qui a investi en Haïti, et PME, petite et moyenne entreprise, capable d'investir. Gagne de quoi là, pour mon batra, ou t'es toujours à travailler avec moun. Mais gagne de quoi si PAG sécurité, PAG, les ouverts avec touristes, ou t'es prendre des initiatives ou investir à propre tête ou créer des richesses avec tête ou des Yvenes. Ben oui, Blaise, nous t'avons tout le temps dit ça parce que diaspora n'a pas de problème pour venir investir. Diaspora n'a pas de problème pour venir faire développement et création de richesse dans le pays. Mais Kounia, c'est l'État que nous gagnons qui entend presque chaque 5, 10, 15, 20, 30 l'année où il y a des gens qui ont tout le temps, qui ont toute l'énergie, toute génération dans le travail, dans faire plusieurs jobs et puis. Au bon matin, un groupe nèg qui pas même bien, un groupe nèg tout senti fort, arrangé, yo vinn mete dehors dans caillou, yo prend caillou, yo habite là-dedans. Kou sa du en pile. Faut que yo joigne un gouvernement qui arrange pour bailler des garanties que ça pas privé encore. Faut gagne des balises qui poser. OK? Pour au moins ça permettre que mon jeune bon j'ai confiance pour yo recommencer. Parce que en pile monde qui dans diaspora blesse personne, yo non perpétuel recommencer. Par rapport avec ça, ouais, qui a passé ce 29 février, pour jusqu'à jeudi, non, asso que monsieur criminel vivant sans mettre lancé, on paquet gros building, on paquet business, sans compter diverses autres qui a appauvri non l'autre forme, qui a vivant dans le pays, qui dit en début de toute situation, pas bon, n'est pas quitté, faut qu'il continue à être, ou, non, vous mettez en bataille, parce que, à bon groupe, on n'a pas été là, pas capable, faut qu'on gagne des services que vous pouvez vendre. Qui prend risque de déplacer car la frontière yo il a l'acheté pour venir revendre l'espace. Eh ben bandi pas quitter au traversé monde sont gain répiance gain dégoûtance yo envie quitter pays a comme monsieur dame qui dans le gouvernement ça fait quoi que yo touché des situations il grave en pile de mon côté met tabal 600 millions que autant de et force internationale la vienne pas vraiment réparer l'eau pour déficit qu'elle fait parce que ça mon été réalisé comme rêve. Il n'y a pas de prix. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sacrifice pour réaliser le grand rêve. Ça. Un bon matin, il perd dans l'ingérence, dans l'irresponsabilité. L'État qui n'a pas assumé responsabilité par là, qui cause un débandade, qui bail bandit le plein droit pour agir dans le pays. Ou la diaspora, qui participe en pile fois, dans nourrir l'insécurité qui vient dans le pays. Parce que, c'est clair, pas des âmes qui fait en Haïti, pas des cartouches qui fait en Haïti. Il y a des gens qui arrangent, qui achètent, pour voir une vente là, pour rendre la vie difficile. Et bien, toutefois, une autorité estimée qu'elle doit prendre responsabilité face à cette situation, ça, nous devons battre bravo, la contentement pour lui, encourager pour continuer à combattre la peine.
Si on fait retour pour aller 2010, 2010, 2011, 2012, ensemble date ça, on a tout dit, qui est là que le pays a été lui prend. Après 12 janvier, on paquette l'argent collecté, on paquette l'argent rentré, ou jusqu'à présent, pas une personne. C'est pas une personne qui compte l'argent, ça vous fait. Le logé de l'Ouest, son ancien président, États-Unis d'Amérique, Clinton, avec Madame Ni, qui vient là, vous faire des ordres, vous virez de vous aller. Mais il y a toujours fait des ordres, comme ça, il y a toujours fait des ordres. Parce qu'ensemble, monde qui a dirigé, qui vive sénateur, qui vive député, qui vive président, ce sont des pions qui pratiquement viennent là. Je dis, il y a bataille dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, mais non pas pour l'intérêt des Haïtiens à travers la République d'Haïti. Nous besoin des patriotes. Nous besoin des hommes honnêtes, crédibles, qui viennent prendre les désidératas, parce que ça qu'il a, ça bandit au créé là, comme expert Gary Conny, qui pratiquement gagne expérience internationale dans l'échange qu'il fait avec Mounsao. Mais même, nous voulons qu'il connaît. Voilà ça qui a passé en Haïti là, ça n'est vivre ensemble mieux avec tout le réseau criminel qui est dans le pays à faire. Il est pratiquement rentré pays d'Haïti fait un bac jusqu'à 30, 40 à 50 années. Vous pratiquement retourner. Et il y a des gens là qui victimes, ou te mettent à dédommager 5 fois la valeur sale perdue, il va tourner mettre pile là encore. Parce que il était subi agression, qui était en goût à mettre en bouche li, comme grand monde qui gourmet pour construire. Si tu es trois déchirés, trois divisions en dedans pays. Hein. Donc, les au moins, utiliser les ondes de la pouvoir. L'union fait la force. La prenne, au moins, que nous yon vienne combler l'autre. Nous yon ap kaye de l'autre. Bien content. Premier ministre Gary Conny reconnaît que la police a travaillé à zong. Gen un embargo qui était raide sous force l'armée d'Haïti. Et c'est pas des armes continuent à prendre dans le pays. Hein? Parce que groupe moun kap vann zam yo, ça fait au plaisir. Chaque fois, gen gen. Dans le pays d'Haïti, il faut que le marché soit capable d'écouler ensemble des produits illicites qui sont vendus dans le pays. L'air est grave. Nous n'avons pas qu'à attendre. Quatre chantiers que Gary Conny parle, il n'y a pas de printemps. Le premier, c'est l'insécurité qu'elle doit aborder. Et puis, tout le problème, on va saisir. Il y a résoudre automatiquement que résoudre le problème d'insécurité. Quand c'est un monde qui est en chômage, là, il va diminuer. Parce que, après algon nèg la ki nan international, après algon femme ki nan international la, qui veut comprendre. Et, bon problème l'hôpital qui présente là, bon problème pharmacie qui présente là, après des gars qui fin fait yo, y a fin investir. Y a fin investir parce que y a pas une opportunité pour investir dans le pays côté ou ya. Gros somme de barème qui mette, y a fin investir la kayo, qui va le permettre, si cousin, si frère, zami qui dans le quartier, vient un petit bout de job. Si bout de job, ça va permettre que vous pote qui choye la kayo. C'est climat de sécurité à nous arranger. Pourquoi dans tout dernier moment, nous avons acquis une hostilité gagnée, dans le Grecier, crasé commissariat, dans le Croix des Bouquets, crasé la mairie, mettez du feu dans la machine de la mairie, et puis dans la même semaine, votre parole vive ensemble, nan, barbecue, pral palais. Pour faire histoire, pour montrer qu'elle parle pour Zam bébé, pour suspendre le gouvernement entre eux. Par contre, depuis qu'il a été sage, ça. Malgré. PM Gary Conny a utilisé sagesse dans l'engagement pour parler avec Negro, Negro refuse de comprendre. Et pour passer à l'action, qu'on y a Blaise Peterson. Et pour passer à l'action. Si nous ne pas passer à l'action, eh bien, nous apprenons que Bandio vient plus méchant. Pour d'ailleurs, nous avons tellement apprendre, pas prendre point, les canaries ont fait musique. Les canaries ont fait musique. Barbecue était organisé parade avec Negro qui avait exam qui avait lieu. Pour montrer question, force multinationale qui n'a pas l'air, ça va représenter un volet, les parcs, les papiers. Et bien, pour nous montrer qu'elle n'a pas venu jouer avec elle, c'est pour nous passer dans Badelma, pour nous faire une mission visite. Et visite qu'elle a fait, monsieur, elle va se tourner avec elle. Pour faire respecter l'autorité de l'État, pour récupérer 40 cailles, quartier en quartier, ville en ville, pays, ils sont gros sacrifices. Mais nous devons lancer sacrifice. Parce que les personnes qui décident de faire sacrifice, qui pas gratifier les sacrifices qu'elle fait avec les personnes. Et tout ça besoin faire tout faut ou oser la donne. Mm-hmm. L'état pas pour oser non mais comme moi l'état son l'état c'est l'état plus envie mandé pardon pitié que l'état agit. Mais tout ça PM qu'on y a dit là yo c'est pas dans bouche l'a dit yo faut que gagne action prouver ça. Mm-hmm. Récupérer kay en kay permettre que plus que 500 000 moun tourner la kayo que bandi pousser d'yo ça pas gagne tant moun yo a bien dit.
si la paquet en moun yo li pas prêté l'on fasse dialogue parce que comment vraiment de pour me tourner la caille moi pendant ces temps que n'ki t'ai poussé domio yo toujours été dans même zone avec même zame ça dans main yo et ceci dit yo vinn renforcer tête yo qui garantit me ral gagner pendant m'a dormi que nek se pas tourner vinn craser la caille mais mettez dife sur moi tout vivant dans caille ça. Comment vraiment dire que pour moi retourner à circuler dans Badelma pendant que et nek belair yo mettez avec Badelma barbecue yo nek yo continue à tuer moun dans Front National qui garantit me ral gagner comme si qui garantit moun Front National ral gagner pendant c'était au connait que yo doit un après-midi samedi yo doit prendre place comme ça dans zone et nek yo passer par fond fusillade dit là et depuis qu'il est belair que nous connaissons. Madame Kolo qui nous connaît, dame sac toujours campé avec Jibon, qui est toujours en l'air. Depuis qu'il est là, vie, reprend ça. Depuis qu'il est à l'assister au messe dans l'église perpétuelle, secours en les têtes bel air. Depuis qu'il est au roi du bel air fonctionner comme centre de santé. Depuis qu'il est complexe du bel air et fonctionner, nous, c'est clair. C'est rager, c'est pied bois. Qui poussait dans un beau cathédrale. Je dis un PM. Et ben non, bouche non. OK? Et ben non, bouche non. Que. Wap dit que l'État gal encore récupéré, kay en kay, zone en zone, ville en ville, quartier en quartier. Non! PM, faut commencer à agir. Faut commencer à agir. J'en bien dit un. Et. L'État va faire tout tapton. Non, l'État va faire tout tapton, l'État grand monde. C'est l'État maman et l'État papa. Pas qu'à l'État pour aller parler à l'État. Et bien, l'État pour aller demander pour aller civil et civil dans le bout de l'an. C'est ti moun qui pour venir dans pied l'État, dans pied maman, papa, pour venir parler avec, pour venir discuter. L'État, c'est papa nous tous, l'État, c'est maman nous tous. Quel que soit tes bandes ou tes citoyens ou tes sortis, l'État, c'est pour nous tous, oui. Mais kounya la soumeto parmi moun ki or la loi yo parmi moun ki or ki a agi en dehors de la loi je dis an pa mande pou l'état et nan rien d'avant je dis an c'est vrai que nou pa ka di fòk problème yo rezout par violence mais li ekri nan sou blan tout oui l'état c'est li gen monopole violence légitime nan l'état c'est li gen monopole violence légitime nan. Donc, il écrit nous assume sur ça. Je dis, hein, oui, est-ce que l'État a dû dialoguer avec Bandi Ami? Bon, si vous voulez dialoguer, ça veut dialoguer? Ça veut dialoguer? Mais ça ne peut pas dialoguer, l'État va pouvoir chercher pour demander dialogue. Pendant que l'État demande ça, Boutan, il y a toujours un. Et comment? Quand est-ce que vous avez dit, et pendant quoi des bouquets? Et chaque samedi là, oui. On y a poté et chauffeur poté 5000 gouttes, 10000 gouttes bandi yo. Yo paye yo. Et si yo pas poté comme ça pour l'amour tout, yo pas capable là avec bisa yo, à machine za yo. Donc je dis hein, nous pas demander pour comme si négro déposer les armes et poté tête ba la justice. Et n'importe 3 ans pral dans 4 ans oui là. Poté les palais justice pas gagner encore, il va exister non pas les en bas subir cette tenir là. Nego pille écrasé ensemble de tribunal en bas la ville. Nego crasé prison. Quand on va le mettre yo. Bon, yo pas même prendre justice à moi rien. Je dis hein. N'a dit bagarre la clair, j'en dois dire là. Est-ce que on ca résoudre un problème violence par violence? N'ta ca dit non. N'ta ca dit non. Mais quantité violence que yo gete préfère là. Je ne gars bien en violence à gien là bord. Ou pas c'est comme si un bon matin va demander ISO pour le pas juste à gien là haut comme bien gete comme fortune gete gien là haut. Va demander et commandant moi sans jour pour pas comme bon imagine ou. C'est vrai il gien grand pile l'argent, bah on peut combattre gien l'argent ça gien dans mais. Mais il l'argent ça comment c'est fini, ça va le faire. Il va tourner pas d'argent quoi. Il va tourner kidnapper Biska passer kidnapper moun. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis à fond comprendre ça yo. C'est soit que
nous bay bandi yo respect yan, bay bandi yo pays yan. On dit mais l'État prend responsabilité. Dès que nous pral fini bagan pile temps. Quel État prend responsabilité à travers la police, la justice, force l'armée d'Haïti et ça qu'a venir en aide yo, yo besoin bien coordonné ensemble de ça qui a bail comme support avec autorité haïtienne qui participe dans le combat depuis un bon bout de temps et en pile là yo impliqué là-dedans. Nous voulons parler de ça si la auto pardon qui soutient la classe politique là et même j'entends si la auto qui dans et classe économique qui participe au secteur privé des affaires là qui entendent en pile fois pour continuer n'en permettre que pays a point des situations très difficiles parce que yo tout le temps dit il a nagé et à travers les doublés et tant que j'ai été de Jovenel Moïse Lia et pour gain courant et il a toujours parlé gros français et il va y avoir mort d'homme si gain courant yo manger Jovenel Moïse dans ça faut que nous apprendre et connaît chaque jour dans tout pays que nous allons comme autorité qui passe dans gouvernement ouais qui gens monde vivent nous ouais qui gens et yo encadrer monde nous besoin encadrer jeunes garçons jeunes femmes qui gain là pour suspendre l'activité bamboche à débauche et laisse ça. Il y a arrangé ouvert la science et à travers la science, il y a entendu qu'il y a fait développement en dedans pays. Diaspora, nous connaissons souffri dans l'homme, nous avons souffri dans nous, mais c'est pas arrêté tant que Haïti a le pari pour vous, mais c'est travail bon côté pour vous, pour permettre que Haïti a bon pour retourner. Mais espérez, ensemble, diaspora, entrer dans le dialogue avec Gary Coney, pendant le temps à Washington DC, pendant le temps rentrer Miami, il y a mis les problèmes nécessaires, problématiques, il y a mis en face PM. Comme PM a montré, garanti, pour récupérer Port-au-Prince et récupérer ville de Provincial, moi-même, j'ai tout dit ça. La caille, dans le département de la Tibonite, dans la rivière de la Tibonite, il n'y a pas qu'à attendre pour ça que la petite rivière de la Tibonite est représentée historiquement parlant. Ça qui a passé là-dedans, dans le patin de rivière, même dans le domi, mais les autorités, ouais, dans le clair que ça a privé, il y a besoin d'arranger pour prendre contrôle de la situation, pour retirer. Et il faut la crête à Pierrot, par les 365 portes, sous contrôle bandit. Grand griffe qui achète espace ça pour l'argent. Là, on arrive à l'extérieur, dans une ravine à couleur, côté de la grosse bataille qui était faite dans quatre batailles indépendantes, côté Bandi Kokorat Sarato, pratiquement occupé ensemble d'espace ça. Et c'est pas d'un qui vient comme président, comme ministre, comme directeur général. Là, au parti, il y a une journée mémoriale aux États-Unis qui a fait sa fête grandiose. OK? Qui a fait sa valeur, espace touristique. Qui j'ai encadré ou yon fait comme accueil avec touristes qui a rentré. Nous besoin faire ça parce que nous avons l'argent qui existait déjà, parce que nous avons site touristique, nous avons la nature, les jouets en faveur, nous pratiquons la nature qui approprié. Dans tout moment, à quel que soit couche, nous avons vu là, nous avons pris un petit bain dans la mer, nous avons pratiquement entendu venir bien dans le soleil naturel que nous avons, qui l'a pendant toute saison. Malheureusement, nous n'avons pas quitté de faire l'argent avec ça. Et chaque étranger qui vient là, il n'est pas envie de la caille, parce que l'Ouest, c'est une richesse que nous gagnons, nous quittons qu'à gaspiller, nous avons besoin de responsabilité, apprendre mes patrines, remettre la caille, nous. Et sans doute, on joue ou pas regrette parce que tu as participé dans la bataille pour te permettre que Haïti te retourne un grand monde ou grand dette, malgré la situation qui paraît très difficile pour les personnes. Merci en pile, Désir Venesse. C'est un plaisir. Nous avons croisé dans mi-temps-journée pour émission Parler pour Changement. Côté que nous prenons que pour nous continuer à faire débat, analyser ça qui a passé dans le pays. Hein. Pendant que nous avons des amis qui à peine rejoignent nous sont ensemble médias, ça y est. Mais ça qui nouvelle, Blaise Info, Pain Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti. Ça que nous avons demandé nous, c'est pour nous abonner avec médias, ça y est. Like, tranche émission, nous partager avec vos proches, quel que soit côté lié. Et puis, quitte un commentaire, la fait nous bien, ça aide nous grandir, communauté nous. Merci, Désir, on a croisé mon frère.